Banangi ni balonji ba Senor TV tujuka bitunu sekelela nyabyo sinu jino sangani bwa tinwambile bwa se eu ngomomo mbuyi kaba mutu tujif musoko muje mu chikimba ba mwemba kuchimbulu bantu ba jikumalanji ba chini janyi mema saji mbuta chimin ku kamera tujibambule shiku ji Naomi Bimpe tujitwa kijila jeune leader eu njuma se chene mshino bunyo kumutumena to walubwani Mesha mumai maji mwenye kile tumvi jibu jitu tuanu tumwele lubila utuanu wanu tuwele kabiji betu bonso batu batulonda tunwela mio imbulo kubujima tu kwa chila mpunga wakujingila mfikili mulenga kuji senater denika maichi mumbu jitu kweji jamatuku matu kwa satu angondo ajukumi jitu kujajile jibu jenda kama yowachi mumbu tukwambile wase ukole bumusu wa subu ngindu buchamu chamu jitanda Muna kuna ambila, tujitokula bwa miandi ya musoko wetu. Pajikapa ipenda to, tujituela bangu wenu mabungkonko, bangu wenu mshindo kutu ambila, mwijumbi ya uba muna, baka sayi kitu kwa ikumpa, lebo alwa nikatu wenu musoko muka wabuto, kasei central musoko wetu, bando wacha suba kukoli, kana nga maila anji wa nshinga, musoko wakuendele buweni. Mkalenga Roger Lukani, kijen lider, chibangu wa samba, mwenu buya yebu mbuende, kutu jituwa kijila, Aji tabawabu. Wabu tatumunene lesaja mbutatimi. Bamwe ni mwabu kimba kumuna matu kwa bunu. Yuma kwa njikuba sekelela. Bani bunvo kubimpa, bunvo mfakeng. Banangi ni balundi ba chisani chitene cha Genor TV. Ndine le moyo ni jingle koko. Matu kumalengu mabon sujo sanga jibu jibeji. Mbwelka jimupo ngamu bako jingila. Jitu kuja mufikilu wa jile jibu jilenga kuji. Mwena mwabu senatera Deni Kamba Ichimbumbu. Paski jila. Njima se Roger Lukani tuji tubaki jila mkalengu wajitunga fumo etu mkalengu Felix Antoine Felix chisakiji chilombo mwambi kile de muku antombolo zubu wabilumbu vumulu wakubanjija mijumu ya njilo wa kalambambuji njima se nwenu njima peshi mkenji wakokula mwabu jika wiwenda to jilu jafumo wajitunga njima mbani muluku kubanjiji mijumu Yanjilwa kalambambuji Mkalenga Roger Lukani Bwebwe wa jiru jafumu wajitungeji Wakuja kitilipe mwishu nukai Tuwasi kijile wabu nyi Lesaji mbute chime nyi mkulu kujibu haka mulel Mbwa lukonko lweba ni jimbi gila kabikubi sanji Yotuwe ni Genor TV Fumu wajitunga mufika Mubuloba bwa banka mbwa benda Mu espas wakasai Particulièrement mu province wakasai central Nye le menji bivwa Le 10 août Mais moi, je voulais bien pas. Matukuji kumi angono mwana mukulu adimfumu fika munda mwa buloba wa Kasai Central. Adimfumu fika munda mwa province wa Kasai Central. Fumu vumu lwa musangu mwa kajibu wa kwenza maluma nina asatu. Fumu vumu lwa musangu mwa bwakula nse. Ipwa dijilu wa midimu ya njila udimu kala wenzeka wa kana kalambambushi. Donc kalamba matamba vers kalambambushi donc 220 km parce que njila udushikila mwa matamba 220 km ba avec l'entreprise toa fumulanse ka bidimu midimu yenzeka ni entreprise wa arabe contractor jusqu'à Kamwisha cela veut dire 150 km un campement où di basé mukananga ou rejoindre campement où du mikaloko Kamwisha donc babanga mumbulungu badi mukamwisha ya bumbuka e bankananga jusqu'à mbulungu 77 km badi biabu côté wa Kamwisha bumbuka jusqu'à mbulungu 73 km et troisième activité où di mfumulu boku lancé c'était avec Safrimex pour la voirie urbaine près de 50 km. C'était ça précisément ce que le président de la République était venu faire au Kasai central. Yanjilwa kalambambuji, mijumu iji mibanga, kacha ni mkalenga kanda mpompa, mijumu wa ikavu kukonswe, chenu manye papula mfumu, ya kulu mifia mifia ni, ni mvunduja ni verbe, chenu manye bakai kumikalai. Difike dia mfumu, badibamba ni mulu kulanse, travo ya konstruksyon wanjila. Même si on nous a parlé d'une route à terre battue pendant 24 mois, dirait Didi Wangata, mais jusqu'à présent,
depuis le lancement où Dimfumumu lancé Injila, c'est la route prioritaire qui va pouvoir désenclaver la province du Kasaï central, nous mettre en contact avec l'Afrique australe. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo, ou du moins Kalamam roi sous-région, ça décre, c'est par cette voie-là. C'est parce qu'il y a un réseau routier, il y a un désenclavement où de tout permettre beaucoup passer pour atteindre ma pays, ma quoi. Mais à la grande surprise, Katian Fumwa dit tout le monde à l'eau lancé midi mouéi. Dans peu de temps, ça va être un mois. Mais rien ne fait. Pas tout temps, ni rien n'est fait. Nous ne parlons pas seulement des commencements des activités sur terrain. Tout le monde a mangé à Kadien, les amis du monde. Non, non, il y a les processus. On devrait d'abord voir, il y a une entreprise, ou toi et où, moi qu'elle a sur la ville, moi qu'elle a un bureau bien de dire, ça c'est le bureau de toi. Et tout le monde a. Toi, quelle est l'adresse? Mais à Kananga, toi, n'a pas d'adresse. Toi, jusqu'à présent, n'a même pas une petite moto comme la mienne sur la ville de Kananga. Il y a un problème. Le chef de l'État est appelé le garant de bon fonctionnement. Le chef ne peut pas tout faire. Il a décentralisé. C'est ce que nous vivons en République démocratique du Congo. Ouais, ouais. Donc chaque personne est chef dans son domaine. Le chef de l'État ne fait que contrôler tout, ne fait qu'être informé de tout ce qui se fait. On est venu lui dire, parce que les domaines où nous sommes, il y avait le tuteur de ces ministères, le ministère de l'UTPR. Donc, c'est bien lui qui a accompagné le président ici pour nous rassurer, Bouane. Puis, il y a pour qu'on ait lancé activité, il y a une firme, toi, ou d'une boîte, pas d'imbalo avec un Fumwadi Tunga en tant que ministre, le patron ou secteur, le président lui fait confiance, pas du ministre, ou n'ambile, cela veut dire que Boaloumboulé est là, bien qu'il y ait un cadre sur terrain. Quand je pars seulement après Djumbuka Djani, on va commencer déjà, Midjimou Yakumpala, les activités préliminaires. Commence à engager les gens, les chargés de la logistique, le magasinier, les chargés de communication. C'est ce que nous sommes en train de nous dire. Nous avions peur parce que nous avions connu un événement de triste mémoire avec une firme appelée Samibo de M. Jamal qui était gérée par un enfant de 6 mois. Ça nous fait mal dans la province du Kasaï central. Les gens qui auraient élu le président de la République à 99,9%. On devrait mériter l'usure. On ne pouvait pas mériter ça. Pourquoi duper le président de la République, l'amener au Kasaï central, mais n'a près d'un mois, pas même une activité préliminaire? Comment est-ce que toi est parvenu à conquérir ce marché? Nous, c'est comme si nous avions peur en ce moment du Beseko. Mais c'est le Beseko où il nous signe un contrat avec toi. Qui est-ce qui a contracté avec ce toi? C'est Beseko qui aurait contracté avec toi. C'est le même Beseko qui a contracté avec Safrimex. Heureusement que nous avions vu, les engins de Safrimex sont déjà sur la ville, malgré qu'ils n'ont pas encore un bureau. Juste là, les engins sont placadrés là où se trouvait la bibliothèque de la province du Kasaï central, détruite par un certain gouverneur qui était là, avec la pensée de pouvoir nous faire un bijou. Jusqu'à présent, nous vivons la tombe au lieu de ces bijoux-là. Donc, nous disons quoi? Beseko Koudimou signe un contrat ni toi. Comment est-ce que vous en le président de la République dans une province pour le lancement de certains travaux et le président quitte, il rentre chez lui, il rentre à ses préoccupations, ça fait près d'un mois, rien n'est fait sur terre. Roger Lukany, il y a tout quoi, 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 il y a C'est une question que nous sommes en train de nous poser. Nous avions Rab Contractor, vers Kamwisha. Cette firme-là n'a que 30 mois.
Mais nous voyons quand même qu'il a son campement ici. Ça nous rassure que midi me cadiens. Et Rab contracteur ou cadim évolué jusqu'à Miyao. Là, la semaine dernière, j'étais là. J'ai vu que ton Kumusuloa Miyao, Rab contracteur ou Kamouya, nous pas tout cas, il y a près de Mfukumba. Ça, c'est bien. Nous sommes en train d'apprécier ça. Towa ni Safrimex, Safrimex, c'est un balukutu tekela, engin, tout mon a comme si c'était les bijoux. Nous, on a vu les engins plus que ça avec Kabila. Dans les cinq chantiers, on a vu les grands engins. C'est pas les petits trucs que ça Frimex a amené ici. Nous, on n'a pas besoin de voir les engins. Nous, on a besoin de voir les travaux qui se fait sur terre. Nous avions besoin de voir ces gens-là commencer leur activité préliminaire. Parce que le Safrimex en soi, là, il est là. On ne voit que les engins, mais les activités préliminaires n'ont pas encore commencé. Ils ont près de 50 km qu'ils doivent faire dans la voirie urbaine pour que cette ville puisse revêtir l'uniforme qu'elle avait perdu depuis les temps de la Belgique. Vous savez une chose, les gens qui sont en train de contracter le marché aujourd'hui, badine courage. Wani, nous avions une justice qui ne punit pas. Nous avions une justice de deux poids deux mesures. Si seulement Bantu. Non, non, je ne connais pas un prisonnier du Mukwataba détournement au Congo. Tout le monde a été acquitté. Il y en a qui ont bénéficié des libertés provisoires qui vivent en Europe. Je ne connais pas un politicien, un homme politique, ou vous m'entreprise, campagne publique, vous détournez Mukwataba au Congo. Je ne reconnais pas. Mukwataba, ce n'est pas le problème. Que disent les lois du pays? Vous avez arrêté quelqu'un. Vous avez vu les indices de culpabilité. Mais que disent maintenant les codes pénaux? Les codes pénaux prévoient sa peine que la personne doit subir. Kukwata, c'est bien, mais la personne devrait subir la peine prévue par les codes pénaux. Mais quand la personne est arrêtée par la justice, mais la personne est blanchie par la politique. Donc ça ne peut pas décourager les détourneurs, ça ne peut pas décourager les voleurs. Les gens qui disent que ce sont eux qui ont de l'expérience, plus que la jeunesse congolaise. Ils disent que les jeunes sont incompétents, les jeunes sont incapables, mais eux qui sont expérimentés. Ils ont travaillé avec CCCCO 32 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Kassai? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo? Avec Laurent Désiré, 4 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo, au Kassai? Ils ont travaillé avec Kabila Fils, 18 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, aux côtés du président Félix, pendant 4 ans, le Kassai central est en train de vivre son enfer, est en train de vivre son déclin. Il n'a rien bénéficié de son élection supportée sur le président de la République. Mais ouais, ça fait mal. Voilà, moi, tout le monde, moi, je suis ces gens-là, Badiba Dupé, Fumadi Tunga, disant que Baduni expérience. Est-ce que parmi tous les anges dédiés au ciel, quel est cet ange-là qui était expérimenté plus que Lucifer? Lucifer était le premier conseiller de Dieu. Était le plus expérimenté parmi tous les anges. Mais pourquoi Lucifer vit en enfer aujourd'hui? L'expérience ne compte pas. Vous avez l'expérience, mais vous n'avez pas la bonne volonté. Vous n'avez pas une bonne morale à donner aux gens. L'expérience ne peut pas nous aider, seulement l'expérience, l'expérience. Mais vous avez la volonté d'aider le pays. Vous avez une leçon à donner aux gens. Vous savez une chose, les sages, Kassai central, Kadika Kengela, un désenclavement. Pas toi que l'on désenclavement, tout dit tout mon angilawa Kananga Kalambambouche qui nous introduit Mwangola et ça nous ouvre au concert international. Kassai central, Kadika Kengela, un réseau routier. Donc ces réseaux routiers, je suis en train de voir pour le moment les 150 km d'ici vers Kamwecha, parce que ici vers Kinshasa, c'est 1200 km. Donc vous verrez que c'est un calvaire et vous pouvez venir bien. Dès que vous êtes à Kamwecha, je dirais que vous vivrez l'obscurité qui n'a jamais existé. Une obscurité EP16, bon, Kumbuka Kamwecha vers le Kassai central où nous sommes. Et pas seulement ça, après le désenclavement, les réseaux routiers que nous attendons, il y a encore une chose, c'est nos routes de la déserte agricole.
Donc, pour te faciliter, quand on a vers du mbelenge, où il y a dans la facilité, dans de bonnes conditions, vas-y, viens, Mouskouya Kazumba, dans de bonnes conditions, Mouskouya Louisa, dans de bonnes conditions, Dibaya, dans de bonnes conditions, Mouskouya Koundemba, dans de bonnes conditions. Demba, c'est près ici, moins de 100 km. Kade Mouboukafa Kafani Ndemba. Donc, Oujou Fani, ça ne va pas fonctionner. Gouvernement provincial, on dit qu'il y a eu l'onda kajan, bon, il y a une part des responsabilités. Donc, on voit récemment, bon, il y a un kabea, on dit bien de mal entouré, on me dit, vous m'a dit tout. C'est un anjaï de kato, kati, monsieur nous dit, bah, moi, ne m'en vous bamba, qui m'a dit, moi, je suis tout, qu'on fait chez le mouquin, projet loukan, l'imagine de moi, bakaï. Vous savez une chose, hein? Waba Kasai Badibi Kala Mouma contrat Kampanda à province soit Kasai centrale et rien ne marche. Être Kasaïen ne veut pas dire aimer la province du Kasai central. Vous vous dites que du temps du président Kabila, il n'y avait pas les centres Kasaïen mon entourage joint. Il y avait le centre Kasaï en son entourage. Mais pourquoi pendant les 4 ans de Kabila, rien n'a marché encore dans la province du Kasaï central? L'ennemi du centre Kasaïen, c'est le Kasaïen lui-même. Ces gens-là sont déjà fatigués. Ces gens-là veulent s'enrichir d'une manière illicite. Ils ont des millions, ils ont des milliards. Mais quand vous poursuivez, ils n'ont même pas les champs ici au Kasaï. Quand vous poursuivez, ils n'ont même pas les toilettes ici au Kasaï, ces gens-là. Ils n'ont pas la bonne volonté d'aider la province. C'est que nous sommes en train de demander au président. Le président devrait restructurer son entourage, devrait restructurer ses représentants dans les différentes entreprises publiques, dans de certains postes publics. Je suis en train de féliciter le jeune homme qui a été nommé à une certaine société, ce qui moi je pense. Mes félicitations à lui, mes félicitations au président de la République qui a pensé à la jeunesse. C'est moins de 30 ans, ou Diba nommé, ça nous fait du bien. Donc bravo à la jeunesse. C'est quand même nous qui allons y retrouver. Pas tellement. Quand on nous y retrouver même à 1%, on peut dire à 0,5%. Mais nous représentons 65% à 70% de la population congolaise. Ça va aller, nous les avions. Et par rapport à Wapatutufweka, l'entourage du gouverneur Dion Kabeya Shikai. Vous savez. Bon, ma bat facilité, t'as suivi toi, tu m'as tout le bas, tu m'as mis à couloir. Ouais, sans soudi moubou le mou pouvoir, sans soudi mou ata pouvoir, bah yuko le gouverneur en province soit Kasaï central, tout le monde connaît. Qui ne connaît pas? Il est de l'union sacrée. Mais pour convaincre les députés provinciaux qui étaient impayés pendant plus de 7 mois, pendant plus de 5 mois, beaucoup à convaincre, bah, portez votre choix sur Dion Kabeya. Et ça a été facile. Nous sommes au Congo, nous sommes au Kasaï, nous savions comment les choses se passent. Et par toutes les choses qui se sont faites, le gouverneur est devenu gouverneur. Mais le gouverneur devrait remercier les gens qui l'ont porté à la tête du province. Il n'allait pas rester ingrat. Il devrait reconnaître ce genre-là. Roger Lukanya a contribué, il a donné à un tel député-là même un verre d'eau comme étant ma campagne. Excluons les termes de la corruption. La campagne est connue et on peut encourager les gens avec les dons. Tel m'avait donné son don que j'ai remis à tel député pour qu'il puisse me lire. Et je suis devenu gouverneur. Qu'est-ce que je peux faire à Roger Lukanya? Je dois aller voir Roger Lukanya, mon ministère, quand on a pêché mon tout. Mon tout du Roger Lukanya, mon pêché, mon tout, mon choix, Roger Lukanya, mon tout du Kaimouchawan, même gouverneur, ou une semaine, mon tout. Tu m'as coupé des provinces, qui ne m'a coupé des provinces, toi. Gouverneur, on dit ne m'a pas enzapé, d'ailleurs, après il y a eu foot. Mais vous. C'est le disons le dis-moi mon son. Mais c'est normal, c'est normal. Vous savez que. Province, nationale, mon jour. Parmi Bantou, on se met du pouvoir aujourd'hui. Lui dépasse à combien de ministères? Lui y a combien de ministères? La société civile a combien de ministères au Kasaï? La jeunesse est représentée par qui?
les femmes sont représentées par qui? Vous verrez que Kimbenza part au Abantuto. La part des choses n'a pas été faite de la manière qu'elle devrait être faite. Mais on a fait que récompenser les gens. Aujourd'hui, vous verrez, entre presque tous les députés m'ont assemblé, Mouchalamoutou. Papa Béché ministère. C'est un problème. Bikalamu ministère, Mouchimamou n'est pas un badjaka bimakoutabou, abou député. Bah ignorer, bon, pas au cas du mouillé, moujimou, cas du moulekil. Bon, vous finissez vous bas suppléant, bah j'ai bas suppléant, papa intoba bimakoutangondoï. Par après, vous n'avez pas au tangonega, bon, on a chez du comito. Bamba nika koutou du foutu yaba député, tout, ma koutan frais de fonctionnement ensemble, yu de tout foutabang. Chilou mouchidikos. Vous comprenez ça? Tout ça, mbintubidubikin et le koulonga. Moi, je suis en train de soutenir une thèse. Telle que élection ou gouverneur qui quelque du coup du bagra et le terto élection ou gouverneur bailir gouverneur directement par la population comme nous élisons les députés provinciaux les députés nationaux que nous puissions élire encore les gouverneurs de la même manière pour éviter toute cette cacophonie qui n'a pas son nom qui est en train d'embourber la province qui a été embourbée pendant 5 bonnes décennies du temps de Mobutu les Kasai n'a rien bénéficié jeune leader Bouéwa Kalenga Dinel Kazadi. Ouais. Tout le monde est Monsieur le gouverneur Dion Kabeya, c'est quelqu'un qui a la volonté. Premièrement, sa volonté manifeste. Vous verrez, quand même, il y a un changement sur la ville. Je suis habitué à imiter pendant 15 ans, 10 ans. Kabeya, je suis habitué à imiter Vous verrez, tout le monde, je suis habitué à imiter Vous verrez, nous avions connu Bouanzé et toi, Raïmou Koseka. Kabeya a quitté la ville. C'est quelqu'un qui a quand même la bonne volonté d'aider la province. Tout le monde a aidé à vous comprenez ça hein? On ne peut pas aider tout le monde les sages il faut savoir que ma répartition politique et au conseil au cabinet campagne au ministère campagne moi parti campagne et où moi monte campagne et où moi famille campagne. J'ai dit même des familles et où moi famille campagne ce sont des choses qui bien c'est comme province soit Kasaï central. Et avec des choses comme ça, comment est-ce que nous pouvons aider le gouverneur? Parce que comment est-ce que je peux parvenir aujourd'hui à conclure directement? Et même si j'ai parlé avec lui directement, il va m'écouter et pratiquer ce que j'ai dit, même si ça a aidé la province. Ouais, c'est là où se trouvent les problèmes. Des problèmes maintenant, les problèmes qui s'imposent au Congo, au Mujima, c'est un problème de la relève. Ces gens-là ne peuvent pas encore aider la République. Badjiba Lukwenza, une relève familiale. Vous verrez que Tatou, du moins, il est un palais député. Mouka, j'ai une première suppléante. Moi, je dois le deuxième suppléant. Le mou national. Baya, nous, Benzan, en Koumboua, n'est pas dit, nous, fait un ministère, Miko Abounouko, ou du Chala, moi, n'est ça, c'est pas la relève que nous attendons. Kaimoulou, ma calasse, nous en avions ici incapables d'écrire même leur propre nom. Incapable même au concours de bois de boubidu phrase de bimouchilou bifunda pas du bg incapable ou à koubala nous avions des gens comme ça nous voyons les vidéos qui circulent tout ça sont les retombées d'une relève mal orientée nous avions besoin d'une relève à son propre sens la jeunesse est capable elle a toutes les potentialités de pouvoir aider la nation congolaise la jeunesse est comparable à une matière première de la république démocratique du congo dont les congolais ne bénéficient pas. Vous comprenez ça? Benda bangata matière ambulu chabantuba bakwa boyer.
Mudi matière et toi mon Congo les matières après bah tu balouanges chez du tout monde d'accord d'accord et les Congo ne tirent rien de cela. C'est de même avec la jeunesse est une richesse pour ces pays, la jeunesse est une gloire pour ces pays, mais cette jeunesse n'est pas considérée par les politiques qui interprètent mal la relève. Vous verrez vraiment tu vois le ministre jeune, mon tout quoi natamo na wamo na bua 32 ans, voilà mon wamo na bu, on est le haut vassu le jeune ministre. Est-ce qu'il sait lire, il sait écrire, il sait s'adapter aux circonstances bureaucrates qui seront au devant de lui? C'est un problème. La relève a son propre sens, mais les gens qui désirent la relève sont rares. Dans la province du Kasaï central ou en République démocratique du Congo, nous en avions un. Denis Kamba et Chimbumbu, quand tu l'es passé au Kasaï central, il a dit que moi, Kamba, je ne suis pas encore là pour devenir député national, pour devenir député provincial. Mais je laisse toutes ces fonctions. Bah, Roger Loukani va postuler. Bah, Clément Hero Katawa. Bah, Clément Kapoukou. Bah, Dinel Kazadi. Bah, postuler comme ça. Bobo Bikel, écoute, nous, on reste même dans les conseils des sages. Ouais, conseil divin. Conseil des sages, je te bats Kamba. Paka Diba, la Bobo, pourquoi il est beaucoup de Tibani? Mon petit, il faut faire ça. Il faut faire ça. Mais je dois m'assumer. Avant que je m'assume, je dois dire quelque chose. Moi, Loukani, je ne soutiens pas les gens. Moi, je soutiens le Valère. Parce que je ne vis pas de 100 francs de politique, de 10 francs, de 200 francs de leur transport non plus. Il n'y a aucun politique comme Santa Kassani qui peut se tenir debout dire que j'ai toujours donné à Loukani une chemise, un pantalon, un téléphone, et les unités, le carburant pour sa petite moto. Il n'y a aucun politique qui peut le dire. Au grand jamais, aucun député, aucun ministre, aucun sénateur ne le fait. Je le fais moi-même. Et quand je soutiens quelqu'un, je suis en train de soutenir les valeurs qui sont incarnées dans cette personne-là. Kamba, il a dit tout haut qu'il faut une relève. Trop, c'est trop. Nous, les Kamba, nous avions fait. Mais comme on a tout fait, on doit grimper les postes, les échelons. On doit plus seulement se tirer avec les emplois de la députation nationale, provinciale. On doit occuper d'autres fonctions qu'on n'a jamais occupées pour doter à cette relève une expérience. Parce que quand nous parlons de la relève, ancien député, ancien ministre, nos grands-parents, nos grands-papas, nos politiques, tôt. Donc une relève dans la cohabitation. Ils sont rares les gens qui parlent. Nous avions commis le sénateur Mouboulem. Mais c'est l'État qui est proche de la population, les celles de Kamba et Chimbumbu, bas députés nationaux dans une province soit Kasaï central. Nous en avions autant. Députés qui ont approché la population. Si ce n'est que l'honorable John Lutumba que nous voyons sur le terrain en train de poser Maloma Kwab. Il y a encore un autre honorable de Kazumba, honorable Donatien Mbale Kelaibeya que j'ai salué en passant. Donc c'est quelqu'un qui est aussi visible dans sa circonscription électorale qui était le territoire de Kazumba. À part Emu Province. Mou Province, nous avions quel député du Nsiyo Tukampa. Nous avions le seul Marcel Djibé Belgege qu'on a toujours appelé le cerveau d'acier là. Donc c'est quelqu'un brillant. Le mental d'acier. Merci pour les mots. Nous les saluons aussi en passant, les vice-présidents de l'Assemblée provinciale. C'est lui qui est aussi proche de la population. Il y a aussi l'honorable Bob Kayombo. À part lui, il y a aussi Joseph Kalamba que je salue en passant, dont j'étais avec aujourd'hui. Donc, ce sont ces gens-là que nous voyons. Je l'ai dit tout haut, je ne vis pas de politique et je ne vivrai pas de politique. Je vivrai de mes capacités, mes affaires. Je ne soutiendrai jamais une personne, mais je soutiendrai toujours le Valère. Si aujourd'hui, Jeunesse Kena ou dirigez, le Jeunesse Kena ou régnez, que Jeunesse Kena ou représentez, parce que je ne sais pas si je suis en train de me faire un peu pour 10 dollars, pour 5 dollars. Mais au finish, où va le pays? Où va le pays? Où va la province du Kasaï central? Roger Loukani, jeune leader, qui est toi qui dit là, mon plateau et toi, jeune hors TV. Je suis en train de me faire un Franco Givaldo, pour un bon quoi, tu sais, je suis en grand Kasaï. Roger Loukani, je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en Donc, Arsène Mbumba, jusqu'à là où tu dis à la maison, il est en route, il n'est pas encore arrivé à la maison, c'est comme ça avec lui. Nous avons une stratégie, nous avons une stratégie.
bwani banumva mushindo nyuma ko kwila ku muso kwito kanika jano ba ba mwa mitau kanika jano nujila kana kabiene bienda bantu babimba nyungulula fuma jitunga bantu babimba nyungulula mukalenga gouverneur John Kabeya sino jibalongo lola cha kwenza chingani mwalu manda akajikundekele nyuma kushala na mumiaji nivulukile manda mashika ushala na chipa wabanga buye kwa jelo kani ni baso mbo siba takute ilaba ba jene dynamik ba muka sayi santrali ni wansi wewe ujimulu kubale jampala Kujenor TV. Ouais ouais. Tu ne dis pas quoi ça n'chingani. Bonne solution amène quoi. Le sage, nous sommes en train de préparer une chose dont je ne peux pas annoncer maintenant. Nous sommes en train de nous voir, de nous entretenir avec tous les jeunes leaders de la province du Kasaï central. Donc, dans les jours à venir, nous allons revenir. Bon, comme Bachika, la Tchenzeka. Mais une chose se prépare déjà. On ne peut pas se précipiter pour donner les verbes au diable pour le moment. C'était d'abord. On ne veut plus donner les mots au diable. On ne veut plus donner le mot au diable dans les jours à venir, on dira. Mais sinon, nous partirons, je dirais, à la farandole. La jeunesse dans son entièreté, d'ici 2023, nous ne serons pas séparés, mais nous serons à la serpentine. Mais pas du tout, Founa, c'est pas qu'on veut seulement devenir député, on veut seulement devenir ministre. Mais on veut que les choses puissent changer, que les jeunes puissent se diriger. On peut acclamer. Je suis là, je fais mes activités, je ne vis pas de la politique. Mais quand je vois un jeune faire quelque chose, ou des Bakouaboubantou qui attendent quelque chose de la politique, ça va nous faire du bien. C'est ça. Ok, Roger Lukani, c'est moi qui m'oulé, puis je n'ai pas de boule. Tu dis qu'on est quelque chose pour le jibou et tout, pour Baboui qui là, Boujoumoukanas. Toi, comme on est capable de faire des choses, on a des gars qui ont été couchés avant tout le monde dans ma province, Kasaï central. Les victimes, les massacres, comme on a dit, on a salué le cordon Miran, on a fait des marches, on a victime, on a réhabilité Miran Moulumba, on a victime. Tout le monde a fait des choses, on a fait des choses. Aujourd'hui, tout le bénéficiaire de Chingani, on a fait des choses. L'élevé, toi, tu es le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2023, tu es le bénéficiaire. Le président n'a rien fait. On avait des priorités, tu vois, Zembo, Maï, des enclavements, route, il y a des aires agricoles, réseau routier. Vous voyez une chose? Même quand j'ai le matricule, je suis encore MP, je travaille comme NU dans une école où j'enseigne. J'ai une filière de la sociologie africaine. Je ne suis pas payé jusque-là. Oui, il y a de l'école primaire qui ont bénéficié quand tout campanda. C'est une part. Mais nous disons parmi nos priorités qu'on attendait. Et vous verrez que si vous comparez du temps où votre dollar mis Kalangana 160 000, aujourd'hui le dollar c'est 210 000 francs congolais. Ils n'ont pas eu le double de ce qu'ils touchaient. Si on convertissait seulement cela en dollars, vous verrez que Yadib Lemampigno c'est moins que ce qu'ils touchaient avant. Ça n'a pas de poids sur le marché. Ça n'a pas d'influence sur l'économie. Mais pas par rapport à une réalisation concrète où tu m'as présenté Bantu comme un bilan au président Félix, mon province soit Kasaï central, jusque-là rien ne fait. Rien ne fait jusque-là. Mais nous sommes disposés beaucoup moins aider. Il a la volonté, mais il est mal entouré.
Mais mieux vaut tard que jamais. Le président a encore un temps de pouvoir restructurer son entourage, ses représentants dans les différents domaines. Que la jeunesse puisse aussi avoir une part. Et la jeunesse va donner au président, je dirais, le miel qu'il n'a jamais goûté. Levé batailleur, les lucifères qui sont aujourd'hui engagés par rapport à leur expérience. Lucifer n'est pas encore dit actuellement. Il est devenu au service du diable. Ces gens-là sont au service du diable. Ils sont devenus Lucifer ou Kamou, l'ennemi ou Anzam. Ces gens-là, vous les prenez pour les expériences, mais sont vos premiers ennemis. Sont les premiers traîtres. Ce sont eux qui font ce qu'on puisse nous dire que nous sommes un régime de justice. Parce que ces gens-là sont vus partout. Ils n'ont pas l'état au coup de comporter comme les hommes politiques. Mais nous avions une jeunesse capable qui peut faire quelque chose. Boadi Tunga dit pas tout que dans ces chaos profonds. Beaucoup Mumuchibu le Mujimi Kalangane. Parce que là, Banangi, le Balondi, Bajenor TV, tout toi qui dit là, jeune leader, Roger Lukani, Koubia Mot, Bambesh Kuji, Naomi Bimpe, Dini Janime Matsa, Jimbuta Chimini, Kunulaya, numéro Mukwabu, Sangon Kumpala. Jeune leader Roger Lukani, tu te connais toi ce que tu dis? Toi ce qu'il a oublié, les sages, j'aime beaucoup, tu sais, il m'a comme on toi ce qu'il a oublié. Merci beaucoup. Salima.